D'abord, tout se fait de façon très naturelle et directe. Bien sûr, avec si les gens sont d'accord pour que je vérifie, on se lance. Et si on en refuse, bien sûr, je ne force personne. Et voilà comment ça se passe. 因为在中国呢，就是说我一直没有，我从开始就拍纪录片，因为一方面因为纪录片呢比较在资金的，就是说拍摄的成本比较低，我容易操作，另一方面就是因为电影的主要的资源都在国家控制范围，所以我作为一个个人的话，没办法在这个里面去做自己的影片。 所以我觉得纪录片呢，相对就要是一个比较容易的，所以我就一直在拍纪录片。 Pourquoi le choix du documentaire plutôt que de la fiction? C'était d'abord un élément économique. Je pouvais, en plus avec le numérique, faire des films avec un très petit budget. Et puis c'était beaucoup plus simple pour moi de la fabrication à tous les niveaux de la réalisation du film. Dans le cadre de la fiction, c'était toute une économie autre qui est en Chine très contrôlée par le gouvernement. Donc c'est aussi par solution de facilité que je me suis tournée vers le documentaire. 另外就是，所以对我来说，我也在考虑，就是对于我个人来讲，纪录片我，那我如何在纪录片这种电影的种类里边，我如何发挥这种纪录片的这个就是活力，让它变得更叙事，包括影像更好。 Et puis bien sûr, le documentaire me passionne et personnellement, ça m'intéressait de voir, de me lancer un défi, de voir jusqu'à comment je pouvais mettre tout en œuvre pour que que ce soit au niveau du récit, de l'image, le documentaire que je consens puisse transmettre le maximum de la vitalité du sujet. 所以就是说，我也尽可能的在努力，就是让纪录片这个纪录片这种电影片，在电影院就是我希望发挥那种就是影像的那种记录的那种能力，然量，然后让这种把这种记录的这种能量转化到故事，转化到一种叙述的这种能量里边。 Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de m'atteler et de faire mon maximum pour que, petit à petit, faire en sorte que de montrer à quel point les images pouvaient avoir un pouvoir de documenter les choses et que ces images, par le biais de leur pouvoir documentaire, pouvaient intégrer un récit. Alors, vous avez parlé de jeunesse et puis d'une énergie que vous essayez de capter. C'est vrai que vous allez voir que tout au long des 3h40, il y a un bouillonnement qu'on ressent. C'est aussi des choix de montage. Je crois que vous avez eu plus de 2500 heures de rush suite à ces 5 années de tournage. Et c'est donc un colossal que de savoir comment transformer ces rushs en des œuvres cinématographiques. Je crois que vous avez décidé de segmenter le film en partie d'une vingtaine de minutes, voilà, pour permettre à des histoires individuelles d'émerger. On suit pendant une vingtaine de minutes certains individus, puis on va suivre d'autres individus. Et mis bout à bout, cette addition d'histoires individuelles dessine le portrait d'une jeunesse chinoise. Yeah.
Il se trouve que je fais partie de cette génération qui a vécu le passage de l'argentique au numérique. Et donc j'ai commencé, moi, à tourner mes films avec une mini DV. Et qui dit numérique, qui dit facilité de tourner des heures et des heures de rush. 所以呢，就是说，那么刚开始就要习惯这样的一种新的材料、新的工作的方式。那么，我们在这次拍摄当中，就是说素材量就更大，大概有2500个小时的素材。所以对我工作来说，要求你在拍摄的时候就要很专注，每天都要知道你拍的内容。所以之后在剪辑里边就会。 就会变得轻松一点，但就这样我也工作了2年半的时间，才大概把这个影片才剪辑完。Du coup, ça implique de mettre en place une nouvelle façon de travailler. Et par exemple, pour ce film-là, j'étais effectivement, j'ai atteint 2500 heures de rush. Et ce qui était important, c'était au quotidien, pendant le tournage. En fin de compte, ça réclame une beaucoup plus grande concentration au quotidien, surtout chaque jour de tournage, et puis des prises de notes aussi très précises. Et de cette façon-là, on peut être un peu plus tranquille au moment du montage, mais même comme ça, le montage a duré 2 ans et demi en fin de compte. 再一个就是说，我用了这种20分钟、20分钟这样的段落，就是因为我觉得。 观众在电影院里面看电影的时候，20分钟左右的故事是会给大家一个比较，尤其是在一个很长时间的一个电影当中，就是这种段落呢，就是说20分钟是比较最合适，因为人有记忆，同时呢又不至于太长，其他的故事都能够展开。 所以，如果过于频繁，就会带来很多混乱。所以，尽可能就是说，找到人能够观看这个电影的最简单的一种方式。 Quant à la raison des séquences comme ça de 20 minutes ou de ce choix, je pense que c'est un bon temps qui permet à la fois d'aborder un personnage, de s'installer avec lui et en même temps de ne pas, puisque je savais que le film allait être long, ça permet aussi de s'installer dans une très longue durée. Et c'est lié aussi à la mémoire du spectateur, qui c'est à la fois, on se permet de plus grande détente dans la façon dont on regarde le film, et ça ne crée pas de confusion au niveau de la du récit, qui est pas, enfin, c'est un peu, voilà, c'est le moyen que j'ai trouvé pour ne pas créer cette confusion. Du coup, voilà, on va pas tarder à lancer le film. Vous l'avez dit, c'est le premier d'une trilogie. Celui-ci s'appelle Le Printemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sous-titre, Le Printemps ? 第一部呢，我就是用春天的春，然后第二部呢是那种用了苦涩的苦，也就是说生活就是，其实这种生活对每个人来说并不是。 那么的容易，就是在中国社会就是一个个人跟整个这个跟这个集体的一种关系，生存的关系，生活的关系，所以第二部呢就是着重在这个方面，所以用了苦涩的苦，然后第三部分用了这个回归的归，也就是因为每个人都是来自于自己的家乡，每个人都有那种怀乡还家乡的那种。 Donc j'ai choisi Printemps pour la première partie. La deuxième partie, le nom sera, enfin, le mot choisi est celui de amer, dans le sens une vie amère, une vie qui n'est pas facile, parce que ces jeunes, finalement, qu'est-ce qui est au centre de leur vie? C'est le rapport entre l'intimité de l'individu et le collectif, et la façon dont on se débrouille pour vivre dans un tel rapport.
La troisième partie, elle, c'est le mot retour que j'ai choisi parce que ces jeunes viennent d'ailleurs, ont un pays natal, et donc il y a tout cet aspect aussi sentimental, nostalgique qui s'installe qui, autour de ça. Voilà, alors peut-être avant de lancer le film, on peut prendre une ou deux questions de la part du public. Je crois que monsieur le film madame. Merci, bonjour. Vous êtes considéré en Europe et en France particulièrement comme un des plus grands documentaristes du monde. Est-ce que vous avez le même statut en Chine, dans votre propre pays? Est-ce que les autorités vous reconnaissent comme tel? Et deuxième question que je voulais vous poser, est-ce qu'il est dans vos intentions, malgré les difficultés que vous avez soulevées, les réserves que vous avez formulées, est-ce qu'il est dans vos intentions de revenir un jour à la fiction?其实作为一个导演，从我最开始拍片，完全就是因为自己就是说很喜欢电影，同时呢也是就是说一直在学习电影的，那么希望自己能够在电影的这个工作当中做好自己的工作，其实也并没有那种愿望，就是变得就是很有名，或者没有这样的想法。Je voudrais d'abord dire que depuis les deux débuts, ce qui m'a attirée vers la réalisation, c'était vraiment une passion pour l'image et le cinéma, parce que j'aimais ça et que j'étais d'accord pour me lancer sur le long terme dans un apprentissage sans fin. Et je n'avais l'aspect devenir ou pas, ou avoir un nom, ne m'a jamais préoccupée. Mais 中国有意识形态的问题，就是说你个人的意识形态和这个国家的意识形态，当你在这个创作当中发生这种就是说不一致的时候，那么你在这个在你的工作当中将会遇到很多很多的问题。Maintenant, on sait à quel point on connaît l'importance de l'idéologie en Chine. Et ce qui se passe, c'est qu'en Chine, quand sur le plan idéologique, quand personnellement, quand il commence à avoir quand on ne se rejoint pas en tant que personne avec l'idéologie du pays, ça crée vite beaucoup de problèmes. Oui. 我是尽自己最大的努力，就是说保持这种纪录片的一个拍摄。那么我从很少去想去拍剧情片，就是因为这种拍摄将会，我知道有很多的这种阻碍，所以我觉得纪录片可能对我来说能容易一点。所以一直拍到现在，但是也是很困难的。Même si le travail n'est absolument pas facile, par rapport à la question concernant ce qu'il y aura des projets de fiction, c'est le problème de la fiction, c'est qu'on est toujours tout de suite confronté à des peut-être à certaines pressions extérieures, et alors que ce que je ne ressens pas avec le documentaire, où je me sens beaucoup plus détendue et libre de travailler. 所以呢，当然就是说，纪录片在电影的这个不管是在中国的这个电影的这个领域里边呢，是一个很渺小的，对，微不足道的一个创作者。Le travail que je fais est vraiment très insignifiant par rapport à la production cinématographique qui est au niveau de la Chine, et le documentaire n'est pas non plus une forme cinématographique tellement qui intéresse beaucoup en Chine. 但是对我来说呢，我仍然这么一直坚持拍纪录片的原因，就是因为我觉得纪录片可以躲开中国的这种体制的这种意识形态的非常直接的压力。我可以躲开，那么，所以我一直在纪录片上做很多很多的努力。Et
continue et que je dans cette direction, c'est que j'ai de plus en plus la conviction que par le biais du documentaire, je peux vraiment, je trouve un moyen d'éviter toutes les problèmes liés à l'idéologie, à la pression idéologique. Donc, et par le travail du documentaire et de l'image, je pense que j'ai trouvé la façon. 剧情片我以前拍过一部，然后可能后面还会有一部的计划，但是可能就之后看情况。 J'ai réalisé une fiction quand même dans ma carrière cinématographique, et puis peut-être il y a j'ai un projet encore d'une fiction, mais est-ce que ça adviendra, comment, voilà, je ne sais trop tôt pour le dire. Bonsoir, je voulais savoir quel était le dispositif de tournage, si vous étiez seul ou si vous étiez accompagné par exemple d'un ingénieur du son, d'un script.有的片子是我一个人拍，有的也有就是说我的朋友和我一起拍，然后都是说大家他们之前都是拍纪录片啊，他们就是说我就叫他们一起跟我工作。那忍耐斯呢这个工作量比较大，所以呢我们一共有五个人在拍，但是不是同时的，因为拍摄时间很长。 其他人并没有那么多的时间来陪我一直工作，所以就是说别人有多少时间就陪我多少时间。一般情况下就是在三个人，三个人左右或者四个，多一点五个人也就这样。但是大部分情况下都两三个人。 J'ai réalisé des films complètement seul, d'autres avec un ami ou des amis. Toujours des gens qui étaient dans le milieu du documentaire. Pour le projet de jeunesse, vu l'immensité du projet, c'était plutôt une équipe de 5 personnes, mais jamais 5 personnes en même temps. Pourquoi 5 personnes? C'est parce que sur les nombres d'années de tournage, je ne pouvais pas mobiliser une personne sur un temps aussi long. Donc les gens se sont succédés à côté de moi. Disons qu'on était une moyenne de 3 sur le terrain à filmer. 关于声音的问题呢，因为我觉得现在的这种数字的机器，设计的特别好，所以我一般来说都是在这个机器的前面加这种声音的一些组件，就是一些配件，然后再加专业的话筒，所以录的声音都很好，所以一般我们不会单独的再去，再配备录音的人员。 Donc comme je considère que maintenant la qualité des caméras numériques est vraiment bonne, donc en adaptant de très bons micros sur les caméras, disons je n'ai pas d'ingénieur du son à mes côtés par rapport au travail du son. On va peut-être lancer le film parce que vous avez quand même une expérience cinématographique assez extraordinaire qui vous attend. Voilà, c'est aussi la durée du film, les 3h40, qui permet de rentrer dans l'intimité des histoires des uns et des autres. Avant de lancer le film, je vous propose qu'on fasse un immense merci à Wang Bing. Merci. Je voulais vous remercier vraiment vivement d'avoir fait le choix un samedi après-midi de venir voir mon film.